Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec votre mouchoir blanc là? Mon mouchoir blanc est le signe distinctif. C'est votre signe? Oui, tout le monde me reconnaît par le mouchoir blanc. Et quand vous le sortez dans la rue, vous saluez les gens comme ça? Oui, oui, toujours. Dès qu'on voit le mouchoir blanc, là, on sait que c'est moi, voilà. Ce n'est pas moi. Parfois je passe à l'incognito. Le colonialisme, le néocolonialisme, le sionisme et le racisme. Honneur, pouvoir, gloire, victoire, fidélité. En 1960, vive la production. Le complot Ibrahima Diallo, inspecteur du travail. Révolution. En 1961, le complot des enseignants avec Koumandia, Réotra, Tamsir Nian, Baïbra Mokaba, Montaga, etc. En 1965, le complot des commerçants qu'on appelle le complot de Petit Touré avec Jean Falgué, ex-membre du BPN. En 1969, complot Kaman, complot des militaires avec Kaman, Feleba Keita, Karim Fofana. Le complot 70-71, qu'on appelle la cinquième colonne, un des plus grands complots. En 1976, nous avons le complot de Peul avec Teddy Diallo, Alpha Omar Bari, Drame à Lyon, etc. En 1977, le complot des femmes. En 1980, le palais du peuple avec attentat à la grenade. En 1981, aéroport avec attentat à la grenade. En 1983, dernier complot avec le magistrat Doumbouya, venu du Sénégal. Ce dernier complot n'a pas pu être exécuté parce que le tyran était tombé malade entre-temps. Et le plus terrible, c'est qu'après mon interrogatoire, j'ai eu un coup de fil de Sektouré qui me dit exactement, alors, Porto, c'est le surnom par lequel on m'appelle. Il m'a dit, alors, Porto, c'est toi? J'ai dit, oui, président, c'est moi. Il dit, alors comment tu vas? J'avais fait 15 jours de diète et d'interrogatoire. En 15 jours, on m'a donné à boire le cinquième jour. Alors donc, quand Sektouré m'a téléphoné, il dit, alors comment tu vas? Je lui dis, je vais très bien, président. Il dit, alors ne t'en fais pas, je te sortirai de ce mauvais pas. Je n'ai rien dit. Il a dit que Dieu te protège. C'est pour cela que Dieu m'a protégé, certainement. Léger Maldiani, c'est le seul qui osait de temps en temps élever la voix, mais quand Sékou était vraiment fâché, aucun de n'osait, parce que tous le connaissaient. Et c'était lui le maître d'œuvre, les autres étaient des exécutants. C'est vrai que, comme le dit Portos, que nous venons d'écouter, la plupart des rescapés du camp Boiro réfutent l'idée qu'avancent certains proches de Sékou Touré, que ce dernier n'était pas au courant de ce qui se passait au camp Boiro. En apprenant par exemple qu'il téléphonait souvent pour prendre les nouvelles des prisonniers comme on vient de l'entendre dans le témoignage de Portos. Et les détenus lui écrivaient aussi. Vous avez vécu cela vous aussi à Basba lorsque vous étiez dans ce sinistre camp? Oui, je vais ajouter. Keta Fodeba ne pouvait pas créer le camp Boiro, les prisons du Boiro, de sa propre initiative. Il ne pouvait agir que sur les instructions de Sékou Touré.
Les gens, vous entendez les gens par légèreté dire que non, le président n'était pas au courant. Mais c'est lui qui gérait les prisonniers un à un. Il connaissait l'état de santé de chacun. Ce qui se passait dans la cellule la nuit lui était rapporté le matin. Vous rencontriez ceux qui étaient avec lui, les autres membres du gouvernement qui finalement se retrouvaient en prison là-bas? Oui, oui. Il y en a qui ont été des privilégiés d'ailleurs. Moi, j'étais dans une cellule avec Marx-Adolphe Lallemand. Il y avait une fenêtre, donc ça, c'était le paradis. Un jour, on est venu nous vider la nuit pour y mettre Portos. Portos, qui était Portos, membre du gouvernement, oui, également, oui. Et qui se retrouvait là-dedans. Exactement. Mmh. Il y avait Kassori Bangoura, mmh, qui était aussi membre du gouvernement. Mmh. Il y avait Diop Alassane. Ces gens-là, on est venu, on leur a donné des lits et on les a mis dans la cellule où moi j'étais, cellule à fenêtre, pour me virer et me mettre dans une autre cellule. Sans fenêtre, celle-là. Sans fenêtre, rien du tout. Mmh. Et là, j'ai eu le bonheur d'être le voisin immédiat de Chidimbo. Donc il m'a accompagné d'une manière extraordinaire pendant ma détention. Et ce sont ces cellules-là qu'on appelait les annexes, que Keita Fodeba a fait construire pour éviter aux gens que le BPN mettait incarcérés là-bas d'être dans les cellules disciplinaires dont M. Abbas vient de parler, parce qu'il y avait deux régimes au Cambouaro. Diallo Télé est certainement le prisonnier le plus célèbre de cette prison, de ce Cambouaro. Il est arrêté et enfermé en juillet 1976, quelques heures seulement, après un dîner avec ses coutourés. Quelque temps après, il va connaître la pire des sanctions, la diète noire. Abbas Ba, votre père est également mort au Cambouaro. Vous aussi, comme 13 de vos frères, vous y étiez enfermés. Comment avez-vous fait pour être libéré? Vous n'avez pas dit la vérité du ministre pourtant. Vous avez finalement l'immense privilège d'être libéré. Ce qui était rare, surtout que vous aviez passé 7 ans à l'intérieur. Pourquoi vous laisse-t-on finalement partir? Un jour, il y a un autre imam qui a rêvé que mon grand-père m'appelait à l'abbé et qu'il avait besoin de me voir. J'étais le marmiteur. À l'époque, on avait les marmites et on faisait notre cuisine parce que c'était la 7e année. Alors j'étais le marmiteur, j'avais la tête dans la marmite. Quand le gars est arrivé, il dit, Monsieur Abbas Ba, j'ai dit, ah, mes frères, je vais être libéré aujourd'hui. Il dit, qui t'a dit ça? J'ai dit, non, depuis que je suis là, on m'appelle par un numéro. J'ai dit, aujourd'hui, tu dis mon nom. C'est sûr que je ne vais pas dormir en prison. Il dit, allez, ramasse tes effets. J'ai dit, j'étais venu avec un complet, je suis nu. Et c'est le caftan d'un ancien détenu mort, un gars de Cancan, c'est son caftan que j'ai mis pour pouvoir être dehors. Vous n'aviez plus de vêtements, on vous a donné les vêtements du mort. Et c'était un bonnet que lui, il m'avait fabriqué avec les vieux chiffons. En vieux même temps, à Boireau. Des années ensemble. Ah, mais j'étais un artisan là-bas. T'es un artisan, il ouais. A fabriqué un bonnet que j'ai mis et tout. Et on est venu m'embarquer dans une jeep, on m'a amené à Conakry à 11h, au bureau de Siaka Touré. Il n'était pas là, je l'ai attendu jusqu'à 19h. Il est venu à 19h, et dès qu'il m'a vu, il dit, mais bah, comment vas-tu? J'ai dit, ah, commandant, je vais bien. Il dit, mais tu es maigre, hein? J'ai dit, non, moi, je suis un berger. T'as pas vu un berger gros? J'ai dit, donc, je me porte bien. Alors, il ferme son bureau, il ouvre sa voiture, une 504 super luxe, intérieur noir et tous les machins. Il dit, allez. Il m'embarque, il met la musique, et puis toutes les rues me semblaient des trucs d'aéroport. Incroyable. Et puis il me ramène jusque chez mon grand frère, qui avait été un des enseignants qui avait fait 6 ans, qui avait inauguré Boiro. Il me ramène, il me dit, je te rends ton frère, Koto Kaba. Faut le dire, Koto Kaba, les victimes des enseignants. Un professeur de physique. Un professeur de physique. Oui, victime du complot des enseignants. Et là, il me dit, je te rends ton frère. Et puis voilà, je suis libre. Il n'y a aucune autre forme de procès. Pas de procès, vous êtes resté là-bas 7 ans, voilà. Pour rien, gratuit. Cadeau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Voilà. Monsieur Amadou Tounkara, vous êtes fils de victime, puisque votre père a lui aussi disparu au Cambouaro. Vous êtes également le responsable de l'information et de la communication de l'Association des victimes du Cambouaro. Plusieurs décennies après la mort de Sékou Touré, est-ce qu'on vous a restitué vos biens? Est-ce que ceux qui ont été confisqués vous ont été remis? Je suis fils de victime, effectivement. On nous appelle ici les enfants des victimes du Cambouaro. Mmh. Parce que nos parents ont été arrêtés et nos parents ont disparu, assassinés dans le silence. Une personne était arrêtée aujourd'hui, 2 mois après elle disparaissait, et 13 ans après, sa famille n'était pas au courant qu'elle avait disparu, qu'elle avait été assassinée. Donc, nos familles ont géré ces problèmes.
Nos familles ont été dispersées parce que nos parents, c'était les leviers, les poumons de nos familles. C'était eux qui étaient partis étudier soit à Dakar, à Bamako ou en France. Donc leur famille comptait sur eux. Ils sont rentrés très jeunes, en moins de 36 ans, en moins de 40 ans. Ils ont été arrêtés. Il y a eu un impact non seulement sur leurs enfants, mais sur le reste de la famille. Bon, pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a des biens effectivement qui ont été rendus à certaines familles. Mm-hmm. Mais toutes les familles ne sont pas aujourd'hui en possession des biens. Il y a des familles qui, jusqu'à présent, réclament des biens saisis. Pour répondre à votre question. Comité militaire de redressement national. De redressement national. La révolution était partie déjà. Alors ils ont décidé, une commission s'est réunie, on a décidé de rendre les biens. Mais c'était, il faut le reconnaître, très difficile. Tous les prédateurs que nous avons laissés s'étaient accaparés de la plupart de ces biens. Pour ceux qui me concernent, j'étais un jeune sortant, j'avais une 2 chevaux. Elle était, semble-t-il, belle. Donc il a suffi que je sois arrêté pour que quelqu'un, un prédateur... C'est l'approprié. J'avais aussi des terrains, parce que c'était assez facile d'avoir des terrains à l'époque. Je m'apprêtais à commencer à construire. Donc, tout ce qui était dans mon cas, dont les biens avaient été attribués à d'autres ou dont on s'était accaparé, n'ont pas pu les récupérer. Mais il faut reconnaître, les biens qui existaient, tels que des immeubles à Conakry, des maisons, où, parce que les véhicules n'existaient plus, ont été rendus. Il y a eu aussi une forme de réhabilitation, il faut le dire. Il y a l'avenue Gallotelli, ici, à Conakry. C'était dans la même période qu'on a fait. Donc, l'intention était bonne de rendre ce qui pouvait être rendu, mais le mal était fait. Il y a plein de choses. Après 10 ans de prison, si ce n'est pas des biens visibles, c'était difficile de les rendre. Donc, est-ce que vous avez obtenu les dépouilles des victimes, de vos parents qui sont décédés au Cambouaro? Effectivement, c'est l'une des revendications de l'association des victimes du Cambouaro. Parce que je le disais tout de suite, on a été géré par le silence. Les années 68, 69, 84, personne ne pouvait parler, personne ne pouvait lever le doigt. On se cachait même. Et de 84 en 2009, fin 2009, c'était aussi le silence. Je peux vous informer, la RTG presque nous a interdit. La radio-télévision guinéenne. La radio-télévision guinéenne. Je suis responsable de l'information et de la communication. Je sais de quoi je parle. Lorsque nous, on vient à la RTG pour déposer un communiqué, pour diffuser et à la presse, c'est jeté. C'est comme si nous étions des parias. J'ai réagi une fois, j'ai dit, mais autant de Sektouré, on a été stigmatisé de la sorte. Sektouré est mort. Peut-être un mot là. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Les enfants sont certainement victimes de ça. Mais moi, je suis déjà passé personnellement, après la sortie de mes livres, à 2 ou 3 reprises à la radio nationale et à la télévision. Les émissions sont passées à la radio, les émissions sont passées à la télévision. Il est vrai qu'il s'agit de présenter un livre, mais un livre qui raconte tout ce que nous sommes en train de dire là. Donc je ne crois pas que ça nous soit systématiquement interdit. C'était avec, d'ailleurs, l'émission, c'est avec beaucoup de bienveillance que les journalistes m'ont reçu. Il y a eu un débat. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui qu'ils se disent, bon, c'est de l'histoire ancienne et qu'ils ne veulent plus en parler? Justement, il y a un problème aujourd'hui, même avec les radios privées, nous avons des problèmes. Les bourreaux de nos parents, ils ont des radios, ils racontent n'importe quoi sur nos parents. Mais juste avant le journal, Fila Moïse, qui est le fils d'une victime du Cambouaro, nous a rejoint dans ce studio pour apporter son témoignage à lui. Contrairement à la plupart de nos invités ici présents sur le plateau, lui n'a pas connu son père, puisqu'il a été arrêté alors qu'il était bébé. Mais comment cela s'est passé pour vous? Il a été arrêté le 2 août 71, où j'avais 1 an et demi. Mm-hmm. En fait, comme c'était dit, quand une personne est arrêtée, il y a que tout le monde évite la famille. Nous étions au nombre de 5 et moi j'étais le Benjamin. Tout de suite, nous avons été repartis. Moi je suis allé à Bofa avec ma maman. Ne connaissant pas mon père, il y avait un ancien combattant qui était là, qui me montrait chaque fois une image de mon père. Il y avait à l'époque un ami intime de mon papa qui s'appelait Mobutu, qui était le secrétaire fédéral de la préfecture. Et une fois, je suis allé, ils étaient en réunion, j'ai dit, tonton Mobutu, je suis venu chez vous. Il dit, Moïse, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, aujourd'hui, je suis venu pour que vous me prêtiez un fusil, je vais aller tuer celui qui a tué mon père. Ils se sont tous regardés, ils étaient en réunion,
Il dit, il n'y a pas de fusil ici, va. Il a réussi à me faire sortir. Entre-temps, ils appellent mon tuteur, c'est le cousin de mon papa. Lui, Hervé Laurence, il est décédé, que son âme repose en paix. Alors, lui, il est venu me tirer de la salle pour dire, Moïse, va à la maison. Une fois à la maison, le soir venu, ils m'ont dit, désormais, on ne veut plus te voir à la permanence section, parce que si tu vas, on a creusé un trou, on va te mettre dedans, on va mettre des pierres sur toi. Mais lorsque je suis devenu grand, j'ai compris qu'ils ont dit à tonton Hervé, cet enfant, si vous ne faites pas attention, il va vous engloutir tous. J'ai ma maman à Mamou, Madame Philo à Hadjawa Traoré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle, dès qu'elle a appris ça, elle dit, faites-moi venir cet enfant. Je suis reparti à Mamou, où j'ai suivi des cours, mais là, on ne faisait pas partie du mouvement pionnier, parce que nous étions des enfants des détenus politiques. Que de la cinquième colonne. De la cinquième colonne. Avant la fin du régime, en 76, lorsque ma maman a été en Côte d'Ivoire, elle a reçu, par le biais d'une personne, le livre de Jean-Paul Alata. C'est prison, dans ce livre... Prison d'Afrique. C'est prison dans d'Afrique. Ce livre, elle a appris le décès de mon père. Et Jean-Paul Alata a écrit que Philoa Raphaël, adieu Philoa Raphaël, qui a prédit, qui a diagnostiqué d'abord sa maladie et a prédit sa mort. C'est ainsi que vous apprenez la mort de votre père, par un livre publié hors de la Guinée. Juste à la fin de la première partie de ce magazine, avant le journal, je pense que c'est vous, M. Amadou Tounkara, vous qui êtes responsable de l'information et de la communication de l'Association des victimes du Camboiro, qui nous faisiez remarquer que, de plus en plus, la presse guinéenne évite de vous faire parler. Vous avez le sentiment que les Guinéens se désintéressent de votre histoire, du drame que vous avez vécu, qu'ils estiment que c'est de l'histoire ancienne et qu'il ne faut pas la ressasser sans cesse? Justement, il y a un problème aujourd'hui, même avec les radios privées, nous avons des problèmes. Les bourreaux de nos parents, ils ont des radios, ils racontent n'importe quoi sur nos parents. Et aujourd'hui même, je devais passer à une des radios de la place. À 14h30, à 11h, on m'appelle pour me dire qu'ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas me recevoir. Et pour vous, comment cela s'explique? C'est pourquoi nous remercions aujourd'hui la Radio France Inter. Parce que c'est un problème, nous nous battons aujourd'hui pour lire les pages de cette histoire. Nous nous battons aujourd'hui pour que les gens se rendent compte effectivement de ce qui s'est passé en Guinée. Mais le problème, jusqu'à présent, nous ne sommes pas supportés. Nous avons des difficultés pour faire passer notre message. C'est pourquoi, dans nos revendications, nous insistons sur l'institution d'une commission nationale vérité, justice, réconciliation. Parce que nous disons, il faut bien que les citoyens, il faut bien que le Guinéen sache effectivement ce qui s'est passé en Guinée. Monsieur Lamine Camara, dit Capi, victime du Camboiro et de deux autres camps sous l'air Sékou Touré. C'est important ce que je voudrais dire. Moi, après la mort du président Sékou Touré, il y a eu une émission qui est passée ici, qui s'appelait « À vous la parole ». L'émission a été organisée par le comité militaire à l'époque. Pendant 4 mois, elle passait. Personnellement, je ne suis pas passé à l'émission, bien que les militaires à l'époque ils me connaissaient, et envoyé à ma direction des journalistes pour que vraiment je puisse parler. J'ai dit non. La raison pour laquelle je disais non, le journaliste m'a posé la question, je lui ai dit, parce que moi, si je vais à la radio, dans cette émission, je ne pourrais pas dire publiquement ce que je veux dire. Le journaliste m'a demandé, mais si toi tu vas, qu'est-ce que tu vas dire? Je lui ai répondu, moi, je dirais que j'ai pardonné et à Sékou et à tous ceux qui m'ont torturé, à ceux qui m'ont dénoncé. Et quand j'ai écrit les deux livres dont on a parlé, Guinée sous les verrous de la révolution et Les racines de l'avenir, les deux livres se terminent par le mot pardon. Je me suis dit, tout ce qu'on dira, nous, les anciens détenus ou les rescapés, tout ce qu'on fera, à mon avis, n'aura jamais la noblesse du pardon. Mais il faudrait, quand ce pardon-là, nous l'accordons, nous pardonnons avec un cœur généreux, que les femmes puissent faire le deuil de leur mari. Que les enfants, les revendications puissent être entendues, et que ce que les enfants demandent, c'est des réparations morales, à mon avis. Ce n'est pas obligatoirement quelque chose de matériel. C'est moral, la réparation que vous réclamez, en gros. Monsieur Abbas Ba, dont le père est mort au Camboiro, il était lui aussi prisonnier avec 13 de ses frères. Oui, en fait, nous sommes considérés jusqu'à nos jours comme un peu des parias. Tout ce qui vient de Boiro, il faut... Mais comment cela s'explique? Vous étiez des victimes, comment on peut vous considérer comme des parias aujourd'hui? Oui, c'est justement parce que c'est le même règne qui continue. On ne peut pas dire ça. Le régime en place a été victime aussi. Ah. Oui,
le régime, en, non, le chef en place le a chef été en victime. Place a été victime. Voilà, c'est lui seul qui a été victime parmi eux. Mais il ne peut pas perpétrer un régime qui vient stigmatiser et ceux les, qui ont... Et les habitudes perdurent. Monsieur Alain Foucault, je peux te dire un mot là, Monsieur Foucault, hein, c'est extrêmement important. Lamine Camara, victime du Camboiro. La très grande majorité, sinon l'écrasante majorité des Guinéens, n'a pas approuvé le régime de Sékou. La preuve, quand le régime est tombé, c'était une joie immense dans toute la population. Et jusqu'à présent, la très grande majorité silencieuse des Guinéens a ce sentiment. Mais la plupart des gens pensent que s'il y a une réconciliation, en faisant les réparations morales dont on parle, qu'on reconnaît tout simplement que les gens ont été arrêtés, qu'ils ont, ils ont été exécutés, ils n'ont pas bénéficié de justice, d'une justice, d'une vraie justice, à ce moment-là, nous nous réconcilions entre nous, après le pardon, et nous faisons en sorte que ces enfants-là puissent marcher la tête haute dans le pays et que les femmes puissent faire leur deuil, parce qu'il y a eu des drames. Un drame que je veux dire, on avait obligé nos épouses à se marier, à se remarier. Un papier officiel leur a demandé, quand on était en prison, on a dit il faut se remarier. Il y en a carrément. C'est un décret. C'était voilà. Une injonction. Madame Touré, vous avez reçu ce papier, vous. Moi, c'est que c'était mon cousin, mon beau-frère. Je venais lui dire ce que je pense. Sékou Touré. Donc. Tout le monde était affecté. Il a sorti un décret pour demander aux veuves de se remarier qui n'ont plus de mari. Le problème que nous avons ici, aujourd'hui, les rescapés, les enfants, c'est-à-dire que nous ne représentons rien. Parce que les tortionnaires sont là. Le gouvernement ne veut pas entendre parler de réconciliation, sinon on n'a pas demandé grand-chose. Reconnaissez les faits. Rendez-nous le Camboiro pour qu'on en fasse un objet que pour, tout le monde va visiter. Mm-hmm. On ne peut pas tuer l'histoire, on ne peut pas fermer les bouche à tout le monde. Pour vous, ce changement de nom que vient de connaître le Camboiro. Je dirais que c'est plus grave. Une période. Ils ont fait tomber de façon volontaire les prisons du Camboiro. Ils ont fait tomber pour effacer l'histoire. Et le dernier coup que l'on vient encore... C'est peut-être aussi une occasion de tourner le dos à cette histoire-là, oui, qui est triste. Le dernier coup que l'on vient de prendre, nous sommes pour la modernisation de notre pays. Mm-hmm. Nous sommes pour la modernisation du pays. Nous sommes pour l'échangeur au pont des pendus. Mais sur le pont des pendus, d'illustres Guinéens ont disparu, ont été pendus. Ils ont été pendus sans être jugés. Ils ont été martyrisés sans être mais jugés. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Mais une stèle, par exemple. Une stèle à cet endroit. Madame Touré. Et puis, qu'on accepte, qu'on s'explique. Parce qu'il y a des témoins, il y a des tortionnaires qui sont avec nous. Moi, par exemple, il y a des personnes qui ont agi, qui ont vendu nos affaires au marché, qui ont décidé qu'on vende nos slips, nos soutiens, nos balais, sans compter nos habits, au marché de Madina, qui sont là encore en train de se promener, de se réclamer victimes. Parce qu'après 65, ils se sont retrouvés au Cambodge. Nous avons besoin de nous expliquer. C'est une grande famille. S'il vous plaît, Monsieur Foucault. Lamine Camara, Dikapi, ancien prisonnier du Camboiro, entre autres. Si ce que nous faisons peut déboucher sur une réconciliation des Guinéens, ça ne signifie pas qu'on oublie ce qui s'est passé. Non. Mais si nous acceptons le pardon et que les autres aussi comprennent pourquoi nous avons pardonné et que le peu de choses que les enfants demandent, une stèle, une reconnaissance morale, puisqu'il n'y a pas une justice, une reconnaissance morale qui puisse leur permettre de marcher la tête haute, les Guinéens, je crois, apprécieront bien cela pour que, comme vous l'avez dit, qu'on n'enterre pas le passé, on fait passer une page, on ne la déchire pas, mais que la Guinée se retrouve, que les Guinéens se retrouvent autour de quelque chose de positif, dans un pardon qui peut être une fusion de tout le monde. En gros, vous voulez aujourd'hui que ce soit reconnu et qu'il y ait, de votre part, le pardon, de la part des autres, la reconnaissance de ce que vous avez vécu. Et qu'on nous rende les fosses communes, qu'on identifie les fosses communes. Elles existent et elles sont visibles, mais on nous interdit l'accès et la gestion de ces fosses. Pourquoi on dit qu'il faut que les gens parlent? En 2011, Philoi Moïse, fils de victime. Je faisais le baptême de mon dernier garçon, Salomon David. Tous les enfants, les petits-enfants, étaient autour de ma maman. Il y a un qui s'appelle Isaac, qui est venu lui demander « Mémé, pourquoi tu portes l'alliance ?»
Pourquoi tu portes la bague? Toi, tu ne te remaries pas? Je me suis arrêté pour écouter ce que la dame devait dire. Elle s'est assise, elle a baissé la tête, elle dit, qui vous a dit que mon mari est mort? Je n'ai jamais vu sa tombe, alors je ne peux pas enlever l'alliance. Ce qui se passe en Guinée est extraordinaire. Il faut que les gens parlent. Si les gens ne se vident pas de leur contenu, il n'y aura pas la réconciliation. Il faut que les gens parlent pour qu'ils se libèrent. Pour vous, il y a besoin que l'on parle aujourd'hui pour qu'il y ait réconciliation? Effectivement. Absolument. Mais ceux qui ont fait tout ça ne sont plus là. Ils ne sont pas là, mais leurs enfants sont là. Et je ne veux pas que leurs enfants continuent à hausser ou dire « oui, ça a été fait, ça devait se faire ». Nous sommes tous des croyants. Ils se taisent pas. Ils se taisent pas, nos les pères enfants. Ils nous narguent. Ils nous narguent. De façon atroce. Ils nous narguent. C'est énervant. Ils nous narguent. On ne peut pas se figer là. On doit pardonner. Mais il faut qu'ils reconnaissent. On n'est pas fâché. Ce qu'a fait leurs parents, peut-être à l'époque, c'est ce qu'ils devaient faire. Mais ce n'est pas bon. Humainement, ce n'est pas faisable.